Dis à tes filles, dis à tes deux petits sorciers, ou c'est des sirènes, ou c'est des quoi, qui viennent toujours. J'ai l'impression que quand je prie, c'est plutôt les vitamines que je leur donne. Parce qu'à chaque fois, dès que j'ai mis la croix, je commence à chanter le cantique ou à prier, elles apparaissent. Dis-le que si elles viennent encore, au lieu que je couche avec ma mère, c'est avec elles que je vais coucher, je vais les enceinter. Dieu, t'as pas de croix là, Jésus a déménagé dessus, donc Jésus a vu tes péchés, il a fui. Allô, c'est Cathy? Mon frère, viens, on va aller retirer l'argent que le boss Dimba nous a donné, on partage. Comment? Mais mon frère, tes chaussures ont quoi à y voir sur l'argent qu'on va partager? Hein? Moi, j'ai l'impression que dès que tu as reçu cet argent, tu as changé, hein? De toute façon, hein? De toutes les façons, je t'attends sur place. Et en attendant, je prends d'abord une bière. Voilà. Ok, moi je t'attends. Papa et toi-même. Non, ça va. C'est quoi? Entrons alors. Non, ça va, ma fille, je suis pressé. Je suis venu juste te saluer et puis je vais repartir. Okay. Je voulais juste mettre l'œil sur toi. Ah, même l'eau, tu ne veux pas, tu ne veux rien. Ça va, ma fille. Bon, dis-moi un peu. Ah. Est-ce que tu as un problème dans ton foyer? Non, je n'ai pas de problème. Ah bon? Est-ce que tu dors bien la nuit? Oui, je dors très bien. Je n'ai pas de problème. Votre maison a combien de chambres? Deux chambres. Est-ce que tu entres dans toutes les chambres? Oui, c'est ma maison. Non, j'entre dans toutes les chambres. Dis-moi, quand tu dors la nuit, est-ce que tu surveilles comment ton mari dort? Il dort aussi dans la nuit? Il fait comment dans la nuit? La nuit, quand on se couche, on dort, et il dort sans problème. Le matin, je me lève, comme d'habitude, non, je me lève, j'apprête ce qu'il va manger, tout, tout. Vraiment, il dort bien. Ok, ma fille, je voulais juste me rassurer. Je voulais juste me rassurer, je m'en vais. Attends, papa, il y a un problème. Non, il n'y a pas de souci. Parce que tu m'inquiètes, que tu te déplaces seulement pour venir me demander si je vais bien. Tu ne veux même pas entrer, rien, ma il y a fille, quoi. Ma fille, ça va, je m'en vais. Oui. Mon ami, tu m'appelles encore pourquoi? Je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Toi et moi, on n'a plus rien. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je t'ai dit, ne m'appelle plus. C'est quoi cette histoire? Tu es une peste. Tu es une ordure, une poubelle que je dois esquiver. Donc, ne m'appelle plus jamais. Donc, tu vois comme tu parles à ton parrain, à ton tutelle, celui qui t'a tutoyé dans les, qui te tutoie dans les trucs de la sorcellerie, à ton parrain de la sorcellerie. Regarde comme tu me parles. Attends, tu es le parrain de qui? Tu racontes quoi?
Je vous ai dit que je ne suis pas dans vos histoires là. Je ne suis pas dans vos conneries là. Qui t'a dit que tu n'es pas dedans? Je ne suis pas dedans. Il n'y a pas de marche arrière. Toi, tu es déjà dedans. Et moi, je te dis, je ne fais que t'avertir. Si tu continues à t'endetter, à dire que wow, ceci, les jours sont en train de passer. Quand tu vas rendre l'âme, lors de ton témoignage, je veux dire aux gens que je t'aurais prévenu. Et que je t'avais prévenu. Mais tu as décidé d'être têtu. Alors que tu pouvais te passer de ça. Petit sorcier de ton espèce. Collègue, collègue. Je ne suis pas ton collègue. Tu es collègue. Je ne suis pas dans tes bêtises, là, tu as déjà dit ça. Je ne suis entré dans rien. Okay. Votre histoire, vous allez faire ça entre vous, pas moi. Tu comprends ce qu'il dit? Mais tu t'entends même. Mais vous me demandez à moi de coucher avec ma mère. Mais attends, je ne sais pas, votre histoire là même, ça se passe comment? J'ai une copine, pourquoi? Bon, ok, je vais entrer à la sorcellerie. Pourquoi il ne me demande pas de coucher avec ma copine? Vous faites toujours ce qui est impossible. Vous demandez toujours aux gens les choses qu'on ne peut pas faire. Vous faites comme les gars qui font l'usure là. T'as dit qu'on te donne l'argent, on t'attache que tu ne rembourses pas. Jacob, c'est pour une minable somme d'argent que Dimba nous a offert que tu me mets la pression. Jusqu'à te dire que je suis allé me déchausser. Hein? Tu me mets la pression, je me mouille. Alors que je suis allé, c'est moi qui t'accompagne, non? C'est moi qui allais te montrer le chemin, non? Et arrivé même, qui a permis qu'on te donne la parole? C'est pas moi. Tu me mets la pression, comme si peut-être j'allais fuir. Comme si j'allais fuir. J'ai comme l'impression que si tu étais à la place de Jésus, c'est que les gens payent ses mains la patente avant de voir Dieu. Jésus qui est venu comme ça, parce qu'on dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Comme toi, tu ne pouvais pas arriver chez Dimba sans passer par moi. Tu as compris, non? Mais Jésus l'a fait gratuitement jusqu'à mourir même sur la croix. Pour sauver les gens. Les gens comme toi, là. Toi, tu as donné quoi à Jésus? Dimba, j'ai même confondu. Tikati, tu as fini. J'ai fini. Bon. Là, on doit aller retirer l'argent que le bon Dimba nous a donné. On partage équitablement. C'est ton argent, Jacob. J'ai comme l'impression que si c'était ton argent que j'ai prêté, c'est qu'à l'heure où nous on parle là, c'est que je suis que dans le cimetière. Hein. C'est que je suis dans la tombe au cimetière en train de mal respirer. De mal respirer. Écoute, pour cet argent, oui. Je n'ai pas besoin de connaître quoi je vais donner à Jésus. On va retirer cet argent, on partage équitablement. Quand je vais charger mon téléphone, on va aller retirer. Quoi? Mon téléphone est déchargé. Bon, je pense que ma batterie est encore chargée. Donne-moi ta puce, je vais mettre dans mon téléphone. On va aller retirer. Je dis, Jacob, c'est la vieille qui te dérange ou c'est quoi? Quand tu vois le téléphone ici, attends. Quand tu vois le téléphone ici là, la puce qui est ici là, peut entrer là-bas. Hein? Tu veux donner les IST à mon téléphone? Donc je sors la puce, je mets là-bas, après je reprends la main ici. Tu sais quoi? Hein? Quand je vais charger mon téléphone, je vais enlever l'argent. Non, il n'y a pas question. Ok, ok. Il n'y a pas question. Non, non, j'ai suivi. Mm-hmm. Tu peux pas attendre, non? Ouais. Ok. Moi, je ne sais même pas la somme que Dimba nous a donnée. Mais je sais que mon téléphone a vibré quand il a fait le message. D'accord? Oui, voilà, devant moi. Je cours le risque. Je dis bien, je cours le risque. Je paie. Parce que peu faut comme ça que c'est même 5 000 que Dimba a envoyé. Tu comprends? Voilà 10 000. Je paie. Voilà 10 000. C'est arrivé qu'il a donné plus. Je profite. S'il a donné que 5 000, je sais que j'ai perdu. Tiens. Je paie. De toutes les façons. Hein. Oui. Je peux prendre les 10 000. Oui. Mais sache que dès que ton téléphone sera chargé, tu me montres le message que Dimba a envoyé dans ton téléphone. Parce que je veux savoir le montant. Tu as compris? Les longs yeux ne sont pas bien. Voilà. Les longs yeux ne sont pas bien. Je prends ça en attendant. Tu as tous les longs yeux. Vous venez demander de coucher à ma copine. C'est même pas une femme. Toi, c'est pas une femme. Et c'est une femme toi, pour moi. Toi, on te dit de coucher Simba avec ta mère. Tu connais ceux qui les sacrifices que d'aucuns font.
Tu connais combien ici la forme des fois avec la chèvre. D'autres savaient le porc. D'autres savaient les grandes mères. Toi, on a pris ta mère et elle est encore jeune. Hein? Tu connais les sacrifices que d'aucuns font. Toi, tu es un sorcier. C'est-à-dire que non. Tu es un gros sorcier. Toi, ce que je vois ici là, non. Tu es le genre de sorcier qu'on peut briser l'enfant. Tu prends, tu manges. Je mange. Parce que je ne comprends pas. Tu racontes quelle bêtise comme ça là. Tu me dis qu'on ne demande que sauter ma mère. Tu es le genre de gars que si tu avais vu la plaque de la sorcière quelque part, tu serais entré il y a bien longtemps. Pian, j'entre un pian. Ceux qui sont dedans là, depuis la machine ceci, on les a fait quoi? Toi, c'est parce que tu n'as pas vu la plaque quelque part, c'est que tu étais entré depuis. Je suis le seul. Si tu veux, mets une grande plaque là-bas, de côté. Tu dis que voici la place, la maison de la sorcellerie. Vous voulez être riche, entrez. Si tu veux encore voir les motos. Si tu vas encore voir les crandos, tous vont entrer. Tu parles de quoi là-même? Tu es prévenu. Les gens parlent de la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas vu où on tourne la porte en. C'est que tout le. Même le colboxeuse, tout le monde est dans la sorcellerie. Tu racontes quoi? Avant qu'on ne naisse, la sorcellerie existait. Et après nous, la sorcellerie va exister. Nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas les premiers à entrer dans la sorcellerie. Nous sommes entourés de sorciers, des gens qui boivent avec du sang depuis. Et ils s'en sortent. Il y a des gens qui réussissent dans la vie sans avoir besoin de ça. Comme qui? Toi? Tu as passé toute ta jeunesse à fréquenter. Tu es allé avec tes diplômes. Partout où tu as postulé là, tu as été retenu quelque part. Tant que tu ne fais pas partie d'un certain clan, d'un certain lobby, sache que tu n'iras nulle part. La différence de toi et moi, c'est quoi? Moi qui n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, ta famille devrait vivre grâce à toi, grâce aux diplômes, parce qu'ils ont sacrifié leur jeunesse à t'envoyer à l'école. Voilà qu'avec tous tes diplômes, tu les retrouves à la maison familiale. Fingon, tu es un gros sorcier. Ah oui. Fingon, tu es un gros sorcier. J'assume. Pendi! Bienvenue à la maison, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux entrer, Pendi? Non, je suis très occupé avec mon jardin. Est-ce que je peux t'aider? Pendi! Je suis venu vous remercier par rapport au geste que vous nous avez fait l'autre jour. Vraiment, j'étais touché. J'ai dit que les hommes comme vous méritent aussi des récompenses. Oui, vous méritez aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé. Parce que je ne suis pas comme mon ami que tu vois là. Oui, pas Jacob avec qui j'étais là. Le type là est chiche. Il est doté d'une chicheté sans pareil. Comme tu le vois là. Les mots me manquent même pour exprimer sa chicheté. Le type est fermier. Hein? Et donc, comme tu le vois là, c'est un fermier. Tu vas dans sa ferme, tu trouves les moutons, les poulets, les brefs, tout genre. Mais j'ai dit au type là que arrête même seulement une chèvre. On arrive, on donne à Bendy. Il a refusé. J'ai dit que ok, coupe un régime de plantain. On arrive, on donne. Il a refusé. Mais j'ai dit que vu le geste, le moment que vous nous avez fait, moi-même, je préfère venir vous donner ceci. Merci beaucoup. Voilà. Pendi, est-ce que tu sais que le type a failli me tuer? Le moment que tu nous as fait là, à moins que le quartier allait sortir pour nous voir. Je te jure, c'est parce que moi, je suis un homme qui n'aime pas de problème. Je donne, il refuse. Je donne, il refuse. Pour finir, je dis, prends toi-même, tu partages. C'est comme ça qu'il a pris l'argent, là, il a sorti 2 billets de 10 000. Il m'a donné. Et comme la malchance me suit toujours, avant d'arriver à la maison, tous les problèmes étaient sur la table. C'est comme ça que l'argent est parti, Bendy. Comme tu vois là, ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas à la maison. Moi, je sais que tu es un homme au grand cœur. Tu es un homme qui connaît la valeur de l'être humain. Tu ne peux pas laisser tes enfants mourir, Bendy. Écoute, je comprends très bien. Et je regrette profondément l'incident qui s'est passé entre ton ami et toi. Moi, je ne l'ai pas pardonné. Je l'ai pardonné.
Je vais rentrer dans la maison te trouver un peu d'argent. Et merci, Pendi. Ok. Merci beaucoup. Tu m'attends là. Hein? Non, Gigi. Arrête-moi ton message défaitiste là. C'est toi qui passes le temps avec d'autres personnes et donne l'impression que pour réussir dans ce pays, il faut à tout prix se compromettre. Non. Je demande, tu as même fait comment pour te retrouver dans cette bêtise là? On m'a parrainé. Quand je t'avais dit, tu te rappelles le dimanche où je t'ai dit que j'allais chez mon oncle manger le tarot. Quand on a fini de manger le tarot, c'est où il m'a donné 20 000. Quand il m'a remis les 20 000, dès qu'il m'a remis les 20 000, je voulais partir. C'est où il me fait appel. Quand je viens, il me dit qu'au lieu de me nourrir tous les jours, il doit m'apprendre à pêcher. C'est comme ça qu'il m'a amené dans cette réunion où j'étais amené. Oui, mais dès que tu as su que c'était comme ça, pourquoi est-ce que tu m'emmènes là-bas? J'ai pas fait quoi là-bas? Pourquoi tu n'as pas fait ton truc? Tu es resté dans ça, seul. Tu m'emmènes là-bas pourquoi? Mais quand tu es venu me prendre l'argent pour composer, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que tu vas me faire un dépôt au moment où il t'a dit que je te connais. Tu ne feras jamais. Que mieux tu pars là-bas. Tu en vas ensemble à ta réunion, tu dis que tu vas bouffer là. Tu me donnes l'argent. Tu arrives, tu m'introduis dans des bêtises, pourquoi? Mais j'étais. Non. Au départ, je ne savais pas si ça sort celui. On m'a seulement dit que j'entre, je dois cotiser 3 000 tous les deux semaines. Et après un mois, on me donne 280 000. C'est comme ça qu'il m'a inscrit. Mais après, on m'a donc commencé à me dire que je dois manger les cafards. J'ai tué tous les cafards d'un cabinet, j'ai tout mangé. Il me dit que non. Et on demandait les petits cafards, donc si c'est le poisson, c'est le Yamamoto, que j'allais confondre. Voilà, comme en tant que toi aussi, je t'ai amené là-bas. Tu as vu ce qu'on nous avait servi là? C'est le broyau de la chèvre. Quel broyau? C'est la chair humaine. C'est le boyau humain. Oh. Et il veut vomir. Ça fait deux semaines que tu as mangé. Jusqu'à tu veux vomir quoi maintenant? Dis à tes filles. Dis à tes deux petits sorciers, ou c'est des sirènes, ou c'est des quoi, qui viennent toujours. J'ai l'impression que quand je prie, c'est plutôt les vitamines que je leur donne. Parce qu'à chaque fois, dès que j'ai mis la croix, je commence à chanter le cantique ou à prier, elles apparaissent. Dis-le que si elles viennent encore, au lieu que je couche avec ma mère, c'est avec elles que je vais coucher, je vais les enceinter. Bien. T'as pas de quoi là, Jésus a déménagé dessus, donc Jésus a vu tes péchés, il a fui. Donc tu as l'appétit, oui, sur les sirènes. Oui. Et il faut savoir que les sirènes là, le dernier jour, oui, ce sont elles qui vont t'abattre. Bon, je ne t'ai pas appelé qu'on fasse des problèmes. Tu as fait comment? J'ai dit que je ne fais pas, tu ne comprends pas quoi, j'ai fait quoi? Je ne suis pas dans votre connerie, tu ne comprends pas, je suis pas dans vos bêtises là. Ok. Je ne fais pas. Ok, donc tu es têtu. Oya, moi je te préviens, je viendrai sur ta tombe parce que toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu sais pas ce que tu es en train de faire. Moi, je t'aurais quand même prévenu. Je t'ai prévenu et tente encore, je vois ton appel. Attends. Attends, dès qu'on me fait mon premier virement, la première voiture que je vais acheter, c'est toi que je veux... Non. Tu seras même déjà mort. Bref, quand je vais boire mes champagnes, je vais venir que je t'attombe. Je veux pisser sur ta tombe tous les jours. On veut te sortir de la misère, tu racontes les conneries. Diplômé, papier hygiénique. D'ailleurs, je m'en vois dit, non? Je m'en vois dit. On va changer ma condition. Pas voir. Ici à Warabismo, nous utilisons le playout pour la résistance et l'esthétique de vos ouvrages. Nous sommes dédiés à créer de la valeur pour nos clients grâce à la technologie innovante et en service de qualité supérieure. Ces deux aspects constituent les forces motrices derrière notre expérience client. Bienvenue au département de la tapisserie. Ici, nous réalisons des canapés, des lits, des salles à manger, des hautes gammes avec un matériel de très bonne qualité. Nous nous efforçons d'intégrer de plus en plus dans notre activité les normes de la classe mondiale, le professionnalisme, la cohérence de l'offre. Wesh, ça c'est de la qualité pour faire le bon travail dans le stade de Japoma. Royalisme, de l'innovation à la perfection. Royalisme, vos rêves prennent vie.